Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo mécanique donc sur une Derby Euro 3. Donc elle est juste là, on va démonter le moteur, déposer le moteur du cadre et puis on va le poser sur mon établi et on va regarder un peu comment ça se passe à l'intérieur. Allez hop, c'est parti, je vous montre la moto tout de suite. Donc voilà la moto, je vais pas m'attarder sur tout ce qui est esthétique, pièces ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse uniquement dans cette vidéo, c'est le moteur. Donc là, le but, ça va être de déposer ce moteur, de l'emmener sur mon établi qui est juste derrière moi, et puis de démonter tous les internes et de voir comment ça se passe à l'intérieur. Et je vais vous montrer que c'est accessible à tout le monde de pouvoir démonter un moteur de ce type et de réaliser, on va dire, un entretien du moteur complet. Donc sur cette moto, on a toute la partie moteur qui est d'origine, donc carbu 17.5 d'origine, cylindre 49.9, allumage d'origine, enfin voilà. Donc là, le propriétaire a déjà démonté la culasse pour examiner un peu le haut moteur. Voilà, donc le plot de culasse a été remonté sur le dessus du cylindre, j'ai mis que deux écrous. Je vais donc mettre le bloc piston, je visse mon bloc piston histoire de bloquer l'embielage en calant cette pige sur le haut de mon piston. Voilà, donc inutile d'aller plus loin. Je viens bloquer mon allumage et hop, là il est bloqué. Maintenant, clé de 17 pour enlever cet écrou-là et on va pouvoir extraire l'allumage. En forçant un petit peu, ça vient tout de suite, l'écrou est libre. Ensuite, le but, ça va être de démonter le carburateur. Donc pour cela, on vient dévisser le collier Serflex qui est pris sur la pipe d'admission d'origine. Ensuite, on l'extrait en le poussant vers l'arrière. Donc là, petite résistance, c'est normal. Et à une main, c'est moins évident. Voilà, il est sorti. Voilà, donc mon carbu, il est sorti. Ça va me permettre d'extraire le moteur sans être embêté. Je vais pouvoir le bouger comme ça. Si vous avez le manchon d'origine, une simple pince multiprise suffira. Ou un tournevis plat si vous avez un collier pour enlever le filtre à air. Une fois cela fait, je vais enlever le kitchen. Je vais juste enlever le pignon ici. Donc je vais avoir besoin d'une clé Béthier pour dévisser la petite platine juste ici. Donc là je dévisse, pas de chance, mon pignon il tourne. Qu'est-ce que je fais? Je passe une vitesse. Alors hop, je vais passer la 2, voilà, j'ai tourné la roue avec ma jambe. Je viens dévisser les deux vis ici du pignon, voilà, à la clé Béthier. Voilà, donc une fois les vis enlevées, on vient légèrement tourner cette petite contreplaque et on vient l'extraire en faisant des mouvements de haut en bas, de droite à gauche. Voilà, elle est venue. Et ensuite, le pignon, il vient tout seul. Donc, on tire dessus. Hop, la chaîne, on la fait dérailler. Mettez des gants si vous voulez pas avoir les mains noires comme moi. Voilà, et le pignon, il vient tout seul. Je le fais à une main, donc à deux mains, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc à ce niveau-là, la transmission est démontée, la carburation est démontée. Je vais renlever ma pige pour avoir plus de place pour extraire le moteur. L'échappement, on va démonter la bride à la sortie du pot. La bride d'échappement est enlevée. On n'oublie pas d'enlever le sélecteur. Pareil, vis Béthier. Mouvement de gauche à droite, il est sorti. Je vous conseille de mettre toutes vos pièces dans une boîte pour ne pas perdre les vis. Ensuite, on va de l'autre côté de la moto. Alors ici, qu'est-ce qui nous gêne? La commande d'embrayage. Donc, il faut faire un levier comme ça et faire sauter à l'intérieur. Donc là, à une main, ça va être compliqué. Ah non, ça passe. Voilà, hop, ça vient. Là, le câble, on le met de côté. Moi, je le passe ici derrière la durite. Ensuite, ici, un tournevis plat pour enlever la durite de pompe à eau. Une fois la vis dévissée, on vient ouvrir le bouchon du bocal de liquide de refroidissement. On l'enlève. Ensuite, on prend un seau, on le met en dessous ou un récipient et on va venir enlever la durite et récupérer ce qui va couler. Bon, cette fois, j'avais besoin de mes deux mains. Le liquide a coulé. Bon, j'en ai pas beaucoup parce que ça avait déjà été vidangé. Une fois cette opération terminée, je vais m'occuper des trois axes qui tiennent le moteur. Donc, j'ai celui-là en haut, en dessous l'échappement, celui en dessous le moteur et celui qui lie le moteur au bras oscillant. Donc, on va démonter ces trois axes pour pouvoir sortir le moteur du cadre. Donc mes deux axes, ils sont sortis. Celui-ci, celui du dessous. Et là ici, bon bah, dévisser, les tirer, rien de plus simple. Ensuite, pour l'axe arrière, j'ai dévissé ici, c'est du 19. J'ai pris un morceau de fer à béton
que j'ai tapé pour venir jusqu'ici. Et là, vous avez deux grosses rondelles qui font la jonction entre le moteur et le bras aussi. Hein. C'est cette rondelle-là. Là. Donc, je vais venir mettre mon fer à béton jusqu'ici pour faire tomber la rondelle. Et de l'autre côté, je vais simplement tirer mon axe à la main en le tournant pour qu'il vienne tout doucement. Voilà. Donc là, il vient ensuite. Voilà, là, le moteur est tombé, c'est-à-dire que l'axe, il est encore dans le bras oscillant, mais il n'est plus dans le moteur. Et je vais le laisser ici pour pas que mon bras oscillant il descende. Bon, malgré qu'il y a l'amortisseur qui tient, mais après à aligner, c'est une vraie misère si vous le faites tout seul. Donc moi, je le laisse là et je vais pouvoir sortir mon moteur sans toucher à l'axe. Et ce sera très bien comme ça. Donc là, c'est prêt. J'ai fait tomber mes rondelles. J'ai plus qu'à débrancher l'allumage ici. Si je débranche, voilà cette prise qui va au Neyman. Et l'alimentation des éclairages de la moto. C'est bon, le moteur il est surétabli. Donc on va s'attaquer au démontage. On vient de recevoir les pièces, j'ai le broquin au moteur, au roulement, je respire. Voilà, donc je vais passer les étapes en accéléré. Hein. Donc là, on va enlever le haut moteur. Donc ici, pour l'allumage, je me sers d'un arrache 3 branches. Vous pouvez aussi acheter un arrache exprès pour les allumages derby. En tout cas, pour l'arrache que j'utilise, il faut bien faire attention que les petites pattes prennent bien la cloche et non la platine qui se trouve juste derrière. Ensuite, je vais visser ici. Et si ça sort pas, un petit coup de marteau sec et la cloche, elle va sortir. Donc l'allumage, on enlève l'écrou, la cloche de même. Et bien faire gaffe à la petite fente du vilebrequin où se trouve la clavette. Moi je l'ai déjà enlevée, elle est juste ici. Bien faire gaffe à pas la perdre. Ce que je fais, c'est que je la colle dans la cloche comme ça, elle peut pas s'en aller. Ensuite, on va enlever les vis du stator. Bon, moi déjà je vois qu'il en manque une. Donc je vais enlever ces deux vis et ensuite j'enlèverai les vis derrière qui tiennent la platine. Côté allumage, c'est terminé. J'ai aussi enlevé le piston à l'aide d'une pince à bec plat. Voilà, donc pour les circlips. Maintenant, je vais enlever le carter d'embrayage. Moi, je commence toujours par la vis ici, on va dire à midi. Et puis je pars dans le sens horaire. Et c'est comme ça que j'allonge mes vis. Après, vous pouvez aussi prendre un carton puis repérer toutes les vis dessus en faisant des trous. Donc voilà, bon, pareil, je vais passer en accéléré, ça va aller vite. Et puis on regardera comment ça se passe à l'intérieur. Les vis sont retirées. Maintenant, je prends la commande d'embrayage. Je la fais aller en arrière pour lever le carter. Puis après, on joue avec tout doucement et ça vient tout seul. Voilà, c'est ouvert. Un petit coup de papier de verre sur les bords là, pour enlever le joint. Ensuite, un coup de tournevis plat sur toutes les vis d'embrayage. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Et puis ensuite, on enlèvera les disques d'embrayage un par un. Les disques d'embrayage sont sortis. Donc ici, ça tourne. Si on veut dévisser, ça va tourner avec. Donc moi, soit vous le faites au pétard, clé douille de 19 et ça sort. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieil embrayage de derby. Il faut encore en avoir un sous la main. Deux rivets de chaque côté. Et au moins, je peux caler ça dedans, histoire que ça ne bouge plus. Et une fois que c'est calé, eh ben, je peux forcer ici avec une clé de 19 en tenant l'ensemble avec mon autre main. Donc on dévisse là, on extrait tout ça, on fait gaffe au roulement qu'il y a derrière. Pareil ici, écrou de 15, je viens bloquer, je garde la cloche. Je bloque ici avec un vieux clou, histoire que ça n'abîme pas les dents. Et je viens forcer comme ça en enlevant. Et puis le kick, bon bah ça sort tout seul, on verra. C'est plus facile à sortir qu'à remonter. Voilà, donc là tout est sorti côté embrayage. Ensuite, je vais retourner le moteur. Et je vais aller enlever toutes les vis qu'il y a de l'autre côté du moteur. Hop. Okay. Voilà. Et là maintenant, je vais enlever toutes les vis
Les vis sont démontées, maintenant je vais venir taper au maillet sur cette partie et aussi vers l'intérieur du moteur pour pouvoir séparer les deux carters et pouvoir accéder au vilebrequin et à la boîte de vitesse. Les carters sont séparés, donc là je vais m'amuser à gratter tout le joint qui est ici là. Et ensuite je vais extraire le vilo, donc je vais taper de l'autre côté en mettant l'écrou sur le filetage pour pas l'user, et je vais taper dessus pour l'enlever du carter. Et puis ensuite on verra pour enlever les roulements de vilo, les joints spi et remettre le nouveau vilebrequin. Donc c'est bon, le joint il est nettoyé, donc je prends un cutter, je gratte comme ça en faisant gaffe de bien mettre ma lame à plat. Un petit coup de papier très fin pour refaire les portées. Pareil ici. Ensuite, là-dessus, donc là, le joint spi. Moi, je me prends une douille de cuivre. Vous pouvez prendre une douille de cliquet. Et puis, je tape comme ça. Hop. Hop, voilà. Je viens sortir mon joint spi comme ça. Et s'il y a un roulement, pareil, la douille, je retourne mon carter à l'envers. Et s'il y a le roulement, je mets ma douille par ici. Voilà. Et là je tape comme ça, je peux taper du coup là avec une petite massette, étant donné que le roulement de toute manière il va à la poubelle. Donc là, une fois que j'ai poncé, un petit coup de dégraissant partout pour dégraisser le carter et c'est bon. Ensuite les roulements ils sont là, les joints spi ils sont là aussi. Donc moi ce que je fais, c'est que le roulement je le laisse à température, je vais venir chauffer la portée ici du carter, de l'alu. Et puis je vais venir glisser le roulement, pof, normalement il y va tout seul. Je vous montre ça tout de suite. Tout est propre, je vais venir chauffer la portée du roulement au décapeur thermique en faisant des petits mouvements circulaires comme ça, histoire de dilater un peu l'alu. Et puis une fois que c'est bon, je vais placer le roulement. Voilà, ça va commencer à devenir bon, ça fait 5 bonnes minutes que je suis en train de chauffer. Hop, j'arrête, je prends le roulement, je le place comme ça dans mon doigt et là je vais venir le glisser. Voilà, hop. Et là il est mis dans mon carter, bien au fond. Pareil pour le deuxième carter, je vous remontre pas. Et après on s'attaque au vilebrequin. Ensuite, une fois que le carter c'est bon, hop, on vient mettre le joint et le petit pion de centrage ici. Là, ça y va tout seul. Normalement il y a le deuxième pion, bon moi je l'ai laissé sur l'autre carter. Et puis après, j'avais déjà huilé la surface avant. Et là maintenant je rehuile, voilà, avec la seringue comme ça. J'arrive tout mon joint, j'étale au doigt et après le vilo. Donc voilà, donc pour les roulements, soit vous chauffez comme on a fait et vous les mettez. Sinon, vous pouvez aussi les monter à la presse. Bon voilà, je ne vais pas montrer, mais sur ce vilebrequin là, ils sont montés à la presse. Donc ensuite, moi je rechauffe la portée, je glisse mon vilebrequin. Les carters sont refermés. Donc là, le vilebrequin, il a beaucoup de mal à tourner. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de prendre un petit chasse. Ça, c'est un tournevis coupé. De le mettre sur la vis et de taper avec une massette sur toutes les vis pour pouvoir libérer le vilebrequin. Et après, il va tourner tout seul. Donc, pignon de vilebrequin avec son écrou de 15. Ensuite, l'axe de sélection de vitesse avec sa petite rondelle derrière. Ouais, donc l'axe, il vient comme ça, hein, le petit ergo là, entre le ressort. Ensuite, là la grosse rondelle, là la cage, des fois c'est des cages à aiguilles. On fait tourner pour faire correspondre les pignons. La rondelle. Hop, ça correspond. Et puis, donc, la rondelle frein qui vient là. L'écrou par-dessus de 19, il me semble. Une fois que ça c'est serré, on viendra replier la rondelle pour bloquer l'écrou qui soit prisonnier. Je ne réexplique pas la méthode pour serrer l'embrayage. Hein. Donc moi j'ai mon petit outil. Voilà, je bloque les pignons et je serre les deux. Ensuite, embrayage, pas de sens pour le disque garni. Par contre, le disque lisse, lui, il a un côté tranchant et un côté bombé. Voilà, là c'est bombé et là c'est bien plat. Côté plat vers vous, côté bombé vers l'embrayage, vers le moteur. Voilà, et on empile tous les 10. Donc ensuite, je remets ma flasque. Voilà. Bon, coup de chance, ça va nickel, je vous montre. Si ça va pas, il reste un jour. Normalement, quand elle est bien mise,
Voilà. Là, elle écrase bien l'embrayage. On remet les vis avec les ressorts, puis on serre. C'est vissé. Ensuite, le kick. Donc, ce petit ressort, il va venir dans cette fente là, là ici. Pas oublier la rondelle. On remet le kick et une fois que le ressort est bien mis dans la fente, je le prendrai avec une pince multiprise et le gros ressort viendra ici là, donc celui-ci. Carter d'embrayage, la commande vers l'arrière comme ça. Puis hop, on vient faire correspondre le kick là-haut. Et on le descend tout doucement, gauche-droite, comme ça, en jouant avec. Ça ferme pas à fond, la difficulté, elle est là. C'est que les petits pignons en plastique, eh ben, ils correspondent pas avec les pignons moteurs. Donc là, on prend un tournevis, tout doucement, on pousse pour faire correspondre les dents entre elles. L'embrayage, c'est fini. J'ai changé le joint de pompe à eau aussi, parce qu'il était fourni dans le kit. Donc ensuite, on retourne le moteur. Et on va s'attaquer à l'allumage, donc on remet la platine, les vis. La platine est vissée, faut pas oublier de mettre la clavette. Et le petit repère, il est ici. Voilà, il est là. Donc sur le carter et sur la platine, il y a une petite fente. On les aligne. Ensuite, le stator, il vient comme ça. Les petites vis dedans. Voilà, on remet les trois vis. Et puis après, on remettra la cloche alignée avec la clavette. Voilà, donc dans la cloche, il y a une fente hein, là-bas. Cette fente va venir accueillir la clavette. Donc, on fait correspondre. Et voilà, quand je tourne, ça tourne bien le vilebrequin. Donc, c'est en place. On revisse l'écrou. Boîte à clapet, pipe d'admission, on remet les quatre vis. Au moteur, j'ai mis le joint, la cage à aiguille, le piston, j'ai mis les segments dessus. Hop, je mets ça sur la bielle, je repousse mon axe, je vais remettre le serre-clips. Puis ensuite, bah, le cylindre a glissé, hein, bien pincer les segments pour les comprimer, puis que ça rentre. Voilà, c'est mis, on peut voir les segments qui sont bien pincés. Donc là, ensuite, j'appuie mon cylindre. C'est bon, c'est remonté. J'ai mis le joint de culasse, la culasse, le petit joint torique, les écrous à serrer en quinquance. Et puis ensuite, hop, couvercle de culasse, comme ça. Avec les petites vis, et puis ça sera bien. Voilà, le bloc est remonté. Donc j'ai remis la sonde de température ici, les vis autour du couvercle de culasse. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à le remettre sur la moto. Je remets les axes moteurs, sélecteur, pignon de sortie de boîte. Je remanchonne le carbu, le kick, le cap d'embrayage. On revisse l'échappement ici. On remet une bougie, la durite d'eau. Je rebranche l'allumage. Et puis voilà quoi, donc je vais pas. C'est ma chaussure qui a grincé, hein. C'est pas. Je vous ai déjà montré le démontage. Je vais faire ça là en vitesse, il me reste peu de temps. Et puis on se retrouve juste après sur la moto pour le démarrage. Donc là on est 1 heure après. Donc le moteur il est remis dans le cadre. Donc là je remets l'échappement, je l'enlève du lève-moto, cap d'embrayage. J'ai reconnecté les durites, remis en liquide refroidissement, la bougie, l'antiparasite. Le carbu reconnecté au manchon, les trois axes sont serrés. Et pour ce qui est de l'autre côté, donc j'ai remis la chaîne, j'ai rebranché l'allumage là-haut, voilà, avec les couleurs, de toute façon c'est marqué sur le CDI. Donc voilà, il n'y a plus qu'à démarrer et à voir si tout est OK. Voilà, opération terminée. Donc j'ai dû démarrer à la poussette parce que bah, j'avais pas le kick. Et donc 2-3 coups de poussette et elle a démarré nickel. Là, le moteur est encore un petit peu chaud. J'ai bien laissé chauffer. Maintenant c'est parti pour un petit rodage. Voilà, l'épisode sur la Derby c'est terminé. C'était surtout pour vous montrer que c'est accessible à pas mal de monde qui sont équipés un minimum en outillage pour pouvoir démonter un moteur de ce type. Et puis ça peut faire gagner pas mal d'argent. Voilà, donc moi j'en ai déjà fait une paire, hein. Les trophées sont juste derrière. Donc voilà, bah écoutez, si ce format vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Ah, il était temps que ça se termine, je commençais vraiment à avoir trop froid là. Il fait 3 degrés là, c'est horrible. Allez, à la prochaine!